Sabadi, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Commençons tout de suite par la rencontre de haut niveau Vietnam, Cambodge, Laos à Hanoï. Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire Lao et le président Lao, Thong Luen Sisulit, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, et le président du Parti du peuple cambodgien, Somdet Techo Hun Sen, se sont rencontrés le 6 septembre à Hanoï. Il s'agit d'un événement important pour consolider et renforcer les relations entre les trois partis et les trois pays. Lors de leur rencontre, Nguyen Phu Trong, Somdet Techo Hun Sen et Thong Luen Sisulit se sont informés de la situation de leur parti et de leur pays respectifs. Ils ont discuté des questions internationales et régionales d'intérêt commun, évalué les résultats de la coopération entre les trois partis et les trois pays ces derniers temps. Ils se sont mis d'accord sur les grandes orientations de la coopération entre les trois partis et les trois pays dans tous les domaines, dans l'intérêt commun des peuples des trois pays dans les temps à venir. Les trois dirigeants ont estimé que les relations entre les trois partis et les peuples des trois pays se développaient de plus en plus dans tous les domaines. Ils ont souligné que la solidarité traditionnelle et l'assistance mutuelle entre les trois parties et les trois pays étaient un atout précieux, la plus grande source de force pour la lutte d'hier, ainsi que le processus de défense et de développement national d'aujourd'hui. Ils ont affirmé qu'ils continueraient à sensibiliser les peuples des trois pays, en particulier les jeunes générations, à la préservation et au développement des bonnes relations entre le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Les trois dirigeants ont déclaré que, dans le contexte actuel, les trois partis et les trois pays devaient renforcer leur solidarité, se coordonner étroitement et se soutenir mutuellement, continuer à considérer les relations entre les trois parties comme le noyau et l'orientation des relations globales entre les trois pays, consolider le pilier de la défense et de la sécurité, renforcer la coopération dans la diplomatie, créer des percées dans la coopération économique, renforcer la coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation, des sciences et des technologies, du tourisme et de l'agriculture, promouvoir la coopération entre les organes du parti et de l'État, les organisations populaires et les localités des trois pays, sur la base de la promotion du potentiel et des avantages réciproques. Les trois parties ont convenu de continuer à promouvoir l'efficacité des mécanismes disponibles, d'étudier pour établir un certain nombre de nouveaux mécanismes de coopération afin de renforcer les relations entre les trois parties et les trois pays dans l'intérêt des peuples des trois pays, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde. Le vice-président de la RDP Lao reçoit la délégation chinoise de la province Hunan. Le 5 septembre 2023, M. Bun Thong Chitmani, membre du bureau politique du comité central du parti, secrétaire permanent du Parti central, vice-président de la RDP Lao, a reçu M. Mao Weiming, membre du Parti central, secrétaire adjoint du comité provincial du parti, gouverneur de la province chinoise du Hunan, avec sa délégation à l'occasion de sa visite de travail au Laos entre le 4 et le 7 septembre 2023. À cette occasion, M. Bun Thong Chitmani a exprimé la bienvenue et a hautement félicité M. Mao Weiming, qui a conduit la délégation à visiter et travailler en RDP Lao, ce qui contribue au renforcement de la coopération entre les deux pays, ainsi que la province du Hunan, qui a coopéré avec la RDP Lao, notamment dans les domaines économiques, éducatifs, culturels et sociaux et autres, à développer et à continuer de soutenir et entraidons-nous à l'avenir et pour longtemps. À cette occasion, M. Bun Thong Chitmani a exprimé la bienvenue et a hautement félicité M. Mao Weiming,
qui a conduit la délégation à visiter et travailler en RDP Laos, ce qui contribue au renforcement de la coopération entre les deux pays, ainsi que la province du Hunan, qui a coopéré avec la RDP Laos, notamment dans les domaines économiques, éducatifs, culturels et sociaux et autres, à développer et à continuer de soutenir et entraidons-nous à l'avenir et pour longtemps. Dans le même temps, M. Bunhong Thitmani a exprimé sa gratitude au gouvernement chinois et à la province du Hunan pour avoir fourni soutien et assistance au Laos sous divers aspects, ce qui constitue une contribution au développement du Laos. À cette même occasion, M. Mao Weiming a également exprimé sa gratitude à M. Bunhong Thitmani pour lui avoir réservé un accueil chaleureux, ainsi qu'avoir informé le vice-président du but de sa visite. Le département de la plantation du ministère de l'Agriculture et des Forêts et la société Zoom Lion ont signé un protocole d'accord de coopération pour créer un système standard pour les machines agricoles au Laos. La cérémonie de signature s'est déroulée le 5 septembre 2023 à Vientiane entre M. Bunchan Kombunyasit, chef du département de la plantation du ministère de l'Agriculture et des Forêts, et M. Chan Sun Sing, président de Zoom Lion, en présence de M. Piet Pompihak, ministre de l'Agriculture et des Forêts, et M. Mao Weiming, gouverneur de la province du Hunan de la République populaire de Chine. La cérémonie de signature s'est déroulée le 5 septembre 2023 à Vientiane entre M. Bunchan Kombunyasit, chef du département de la plantation du ministère de l'Agriculture et des Forêts, et M. Chan Sun Sing, président de Zoom Lion, en présence de M. Piet Pompihak, ministre de l'Agriculture et des Forêts, et M. Mao Weining, gouverneur de la province du Hunan de la République populaire de Chine. La signature de ce protocole d'accord vise à mettre en œuvre l'objectif de coopération du projet une route de région que la province du Hunan et le ministère de l'Agriculture et des Forêts ont signé en août 2022, a déclaré le ministre Piet Pompihak. Elle revêt une signification importante pour la promotion de la modernisation et le développement de l'agriculture du Laos. C'est une étape importante dans le renforcement de la coopération internationale entre la province du Hunan et la RDP Laos de manière globale, et une autre étape importante dans la coopération dans le domaine agricole et les chances commerciales et économiques. La production agricole est un pilier important de l'économie du Laos qui est propice à la plantation et à l'élevage en utilisant la technologie dans le processus de développement agricole moderne. À l'occasion du 61e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Laos-Vietnam, le 5 septembre 1962, l'équipe du journal télévisé présentera la coopération globale entre les deux pays. Dans le bilan à mi-cours de la mise en œuvre de l'accord de coopération entre les gouvernements de la RDP Laos et de la République socialiste du Vietnam et l'orientation pour 2021 à 2025. De nombreux aspects de coopération ont atteint les objectifs fixés. Les domaines de la politique et des affaires étrangères ont été bien organisés et développés sans cesse. Les deux parties ont intensifié l'échange des leçons apprises sur le travail de construction du parti et du système politique fort, de développement socio-économique et d'intégration internationale, en coordination avec l'organisation du 9e séminaire théorique entre les deux parties et les séminaires entre les deux assemblées nationales et les autres organes en matière de défense et de sécurité nationale, les deux parties se sont coordonnées efficacement dans la mise en œuvre des accords, des plans de coopération et des mémorandums de compréhension entre les deux ministères de la Défense, le ministère de la Police du Vietnam et le ministère de la Sécurité publique du Laos.
Les commandements militaires et les forces armées des deux pays continuent de maintenir le mécanisme de coopération entre les ministres de la Défense des trois pays, Laos, Vietnam, Cambodge, et de promouvoir la coopération entre les forces armées des trois pays dans la zone de triangle de développement CLV pour transformer les zones frontalières en zones de paix, d'amitié et de développement. Dans le domaine de l'éducation et de développement des ressources humaines, le gouvernement vietnamien a augmenté 35 bourses à long terme pour les étudiants Lao en 2022. Pour 2023, a recruté du personnel et des étudiants Lao pour poursuivre leurs études au Vietnam, comme convenu par les deux gouvernements. Jusqu'à présent, plus de 14 000 étudiants Lao étudient au Vietnam. Sur le plan économique, les ministères continuent à se coordonner pour mettre en œuvre activement les mesures de gestion pour maintenir la stabilité macroéconomique, en particulier les chances d'expérience entre les secteurs du plan et de l'investissement, des finances et de la banque des deux pays. Sur le plan économique, les ministères continuent à se coordonner pour mettre en œuvre activement les mesures de gestion pour maintenir la stabilité macroéconomique, en particulier les chances d'expérience entre les secteurs du plan et de l'investissement, des finances et de la banque des deux pays. Depuis l'année 1989, 417 projets du Vietnam d'une valeur d'investissement de 4,3 milliards de dollars sont investis au Laos. Parmi 417 projets, 293 sont investis à 100% par les entrepreneurs vietnamiens à hauteur d'environ 4 milliards de dollars, se classant au troisième rang parmi 54 pays investis au Laos. Depuis 2021, le Laos a permis aux entreprises vietnamiennes d'investir dans les nouveaux projets d'une valeur totale d'investissement de 454 millions de dollars. De nombreux projets d'investissement des entreprises vietnamiennes au Laos ont été créés et mis en œuvre de manière efficace, contribuant activement au développement socio-économique en créant des emplois pour les milliers de travailleurs lao. L'Union européenne et l'UNICEF soutiennent les médias en leur fournissant les dernières données pour lutter contre la malnutrition chez les enfants lao. Des responsables du ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme et du ministère de la Santé ainsi que des représentants des médias et des experts de la santé des 18 provinces du Laos se sont réunis dans le district de Van Vien, province de Vinh Thanh, pour discuter de la question de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans. La réunion était organisée dans le cadre de la campagne sur la nutrition mère-enfant et jeune-enfant, une initiative conjointe du gouvernement Lao, de l'Union européenne et de l'UNICEF. S'exprimant lors de la réunion, le directeur général du département des médias, M. Somsawat Phongsa, a souligné le rôle que jouent les médias dans la diffusion d'informations sur la malnutrition et la sensibilisation à l'importance d'une alimentation saine et des services de nutrition. La circulation de l'information vers les communautés est essentielle pour favoriser la compréhension et changer les attitudes et les habitudes en matière d'alimentation et de santé. Il est important que les médias continuent d'informer et d'éduquer les communautés sur ce sujet, a déclaré M. Somsawat. Il semble que les défis économiques post-pandémiques aient un impact négatif sur les dépenses des ménages, notamment en matière d'aliments nutritifs. Selon une évaluation récente de l'UNICEF et du ministère de la Santé, les pratiques optimales d'alimentation des nourrissons ont considérablement diminué au cours de l'année écoulée. La réunion visait à fournir aux médias les données les plus récentes afin de susciter un changement de comportement en matière de nutrition à l'échelle nationale. Les participants à l'atelier ont été informés du rapport annuel d'avancement de la mise en œuvre du plan d'action pour la nutrition et de la stratégie nationale de nutrition pour 2023
par le centre de nutrition du ministère de la Santé. L'entreprise Sino-Agri-Potas Limited a fait don d'engrais potassiques et de dons de développement total de plus de 2 milliards de kip aux villageois dans deux districts de la province de Khammouane. L'entreprise organise des activités de dons pour distribuer un fonds de développement d'un montant de 1 696 milliards de kip aux villageois et a fait un don de 48 tonnes de potasse d'une valeur de 354 millions de kip à 20 villages à proximité de la zone du projet des districts de Thakher et de Thabok de la province de Khammouane, pour augmenter la productivité et générer les revenus pour les agriculteurs. La remise de ce don s'est déroulée en présence des autorités provinciales, des représentants du service des ressources naturelles et de l'environnement, du service de l'énergie et des mines, du service de l'agriculture et des forêts et des villageois. Lors de cette remise, M. Zhu Xianli, directeur adjoint de Sino-Agri-Potas Co. Limited, a déclaré que ce don est destiné à réparer les écoles, construire des routes, améliorer la qualité de l'eau potable, améliorer l'hygiène et autres services de base, à améliorer les continuités. Lors de cette remise, M. Zhu Xianli, directeur adjoint de Sino-Agri-Potas Co. Limited, a déclaré que ce don est destiné à réparer les écoles, construire des routes, améliorer la qualité de l'eau potable, améliorer l'hygiène et autres services de base, à améliorer les conditions de vie des habitants et à contribuer de manière significative au développement de l'économie locale. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité, pour voir ou revoir nos reportages. Rendez-vous sur la page internet du Journal français de la télévision nationale Lao. Au revoir.